Le village Komalang, il faut compter 16 bornes kilométriques avant le centre administratif de Yabassi, dans le département d'Unkam. Un homme, Alain-Olivier Makongo, 38 ans, père de 3 enfants, âgés respectivement des 18, 15 et 13 ans. Séparé de son épouse et pour assouvir son désir sexuel, Alain-Olivier n'a pas trouvé mieux que sa propre fille, âgée de 13 ans et élève en classe de CM1 à l'école publique de Nkolmalang. Malgré la menace de mort, la victime va rompre le silence et se confier à sa tante. Je suis vraiment dépassée, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma Congo. Je suis partie, mais j'avais tout simplement avec ma fille derrière. Elle me dit que tantine, elle dit oui, voilà ce que papa m'a fait. Je dis que papa t'a fait quoi? Elle me dit que non, si je, papa dit que si je parle non, il va me tuer. C'est d'où elle dit que non. Dis-moi, c'est d'où elle m'a dit que son père lui est couché pendant que j'avais perdu ma tante. Nous sommes partis dans la Bunawunga, ma belle-sœur là-bas. Quand j'avais maladie, là, mon père avait dit qu'il va regarder. Il a dit que non, ça fait plus mal. Après, maintenant, il est venu. Il a dit pour me coucher au lit. Il m'a forcé de me coucher. Il ne voulait pas me coucher. Une histoire de viol, inceste et atteinte à la pudeur qui choque la population villageoise. Elle a engagé une filiature. Alain-Olivier Makongo sera repéré, molesté par la foule avant d'être extirpé par la police. Il passera d'ailleurs aux aveux complets. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Puis j'ai commencé à coucher avec ma propre fille. Bon, je ne sais pas vraiment ce qui me prenait. À l'issue de nos investigations, nous avons cru devoir déférer le nommé Makongo. Même entre les mains de la justice, l'affaire Makongo-Makongo-Olivier reste une curiosité dans la localité.